Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Une famille aux multiples talents. Après avoir connu une brillante carrière en tant qu'actrice, Alexandra Lamy a décidé de se lancer un nouveau défi, celui de passer derrière la caméra pour réaliser la prochaine fiction de TF1. Touché. Il s'agit d'une adaptation du livre du même nom de Quentin Zution. Un ouvrage paru en 2019 qui s'intéresse à l'histoire du personnage de Lucie, qui vient d'emménager avec son fils Léo pour s'éloigner de son ex-mari violent. Elle a décidé de recruter au casting, non pas sa sœur Audrey, mais sa fille Chloé Joannet qu'elle dirige sur le plateau de tournage. Au cours d'un entretien accordé à Télé 7 jours, l'ex de Jean Dujardin révèle que leur collaboration a fonctionné à merveille. « Elle m'a vraiment épatée. La première fois que j'ai vu son visage dans le cadre. J'ai eu les larmes aux yeux », a révélé l'ancienne star d'Un gars, une fille. Chloé Joannet, 23 ans, interprète dans ce téléfilm le personnage de Tamara, victime d'inceste. Elle tente de se reconstruire grâce à l'escrime. Et si le tournage s'est si bien passé? La jeune femme estime que c'est en grande partie grâce à sa mère, très pédagogue en tant que réalisatrice. Je suis très fière d'elle. Elle prend le temps avec les comédiens et toute l'équipe. C'est un rayon de soleil, a confié la jeune femme à propos de sa mère. Toute l'équipe l'adore. C'est la première fois que je vois une réalisatrice préparer des séances d'acrobranche pour son équipe. Le week-end, ajoute Philippe Boeffard, le producteur de l'œuvre, au sujet d'Alexandra Lamy. Un tournage qui a eu lieu à Anduze, dans le Gard. On a hâte de découvrir le résultat de cette collaboration familiale.